Une balade pas comme les autres. Chaque année à Rosna, il propose Festivart, un week-end pour découvrir 51 artistes à travers les rues du village. À plumes et à poils, c'est le thème de cette année. Des créateurs qui participent, comme chaque saison, au concours du prix du public. Parmi les locaux, Grégory Bigzik, un artiste recycleur qui détourne des objets en métal pour en faire des créations lumineuses, des sculptures d'animaux dans un style rétro. C'est de l'aluminium, du cuivre, du laiton, un peu de bronze, très peu d'inox, parce que c'est des matériaux périns, donc je ne travaille pas l'acier pour éviter de faire des traitements après sur l'acier. Là, en fait, il n'y a pas de traitement du tout à faire, en fait, c'est des pièces qui vont se patiner avec le temps. De nombreuses animations ont été proposées aux enfants. Une 7e édition où le lycée des métiers d'art de Coiraz présentait ses filières, notamment la marqueterie d'art à travers un atelier. On peut créer nous-mêmes nos dessins, mais on peut imiter n'importe quoi. On prend une photo et quelques coups de regard, en dessinant aussi, en posant sur le papier quelques couleurs qu'on veut, en fait, on est capable de refaire un tableau ou une photo. Après plusieurs années d'existence, Festivart est devenu un rendez-vous couru des amateurs d'art, une manifestation qui se veut populaire et à la portée de tous.